Je m'appelle Adama, j'ai 19 ans, je suis en terminale MEI. Ça fait 4 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans et demi. Je suis pris en charge à l'ASE, ça fait 3 ans, plus que ça, à l'ASE de 93. Et j'ai un contrat jeune majeur que je dois renouveler le 29 juin, très bientôt. Là, je me retrouve obligé à trouver un patron pour l'année prochaine, ce qui n'est pas forcément mon ambition ni mon désir. J'aimerais continuer mes études jusqu'en master, mais je n'ai pas le choix. En fait, c'est une idée qui est imposée, comme quoi je dois faire un BTS en alternance. Et ce qui n'est pas forcément mon choix. Moi, mon projet, c'était de continuer les études jusqu'en master et après me lancer dans la vie active. Mais là, vu mon contrat jeune majeur, je ne peux pas me le permettre. Parce qu'après, il faut se lancer dans le marché du travail et aussi payer son logement et vivre comme quelqu'un dans la vie initiale et tout. Ce qui n'est pas forcément, je ne suis pas encore prêt et mentalement ni physiquement à le faire pour le moment. Moi, j'étais basé plus sur les études. Moi, j'aimerais qu'on prolonge un peu plus le contrat jeune majeur. Vu que maintenant, on nous dit qu'il a 1 an, 2 ans, ça serait bien qu'il envoie jusqu'à 2, 3 ans. Là, au moins, les gens ils peuvent plus poursuivre les études. Ils ont un projet qui est fixe et qu'ils arrêtent aussi de signer un contrat de seulement 1 an. Ce serait bien de signer un contrat de 3 ans où le jeune il vient à chaque trimestre, fait un bilan avec son référent.